Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous lire un petit texte qui vous permettra de vous pardonner à vous-même et de pardonner vos erreurs que vous avez faites dans vos relations amoureuses. Donc je vais vous lire ce petit texte salvateur pour que vous ayez une meilleure estime de vous-même et pour que vous compreniez que tout ce que vous vivez en réussite ou en échec est souvent le fruit d'une programmation qui nous pousse à agir pour que perdure la vie coûte que coûte. Ce petit texte s'appelle « À nos amours ». En amour, il est toujours très dur de choisir son partenaire quand les perturbations hormonales produisant le désir alternent aux perceptions de la réalité. Cette perte de lucidité induite par des déferlements de sécrétions hormonales, nous poussant à nous unir à des mégères acariates, des femmes vénales, des goujats égoïstes ou des brutes immondes, n'est en réalité qu'un puissant stratagème de la nature pour que par ces unions si étranges et si problématiques que la passion génère, la vie puisse perdurer coûte que coûte. En amour, la réflexion et l'analyse est souvent la pire des choses, car à force de réfléchir, d'analyser, on finit par ne pas agir. La nature est ainsi faite. Elle ne cherche pas le bonheur et l'harmonie des couples, mais seulement que puisse continuer la vie. Et c'est uniquement par cette vie que le monde peut parfois, en nous, expérimenter l'amour, l'harmonie et la joie. Voilà, petit texte qui, je l'espère, vous aura fait comprendre pourquoi nous faisons tant d'erreurs dans nos relations amoureuses. Nous faisons tant d'erreurs car le but n'est pas l'harmonie du couple. Le but est en vérité de nous unir pour que continue la vie. Et si ces unions peuvent paraître des fois bancales, si elles débouchent sur la vie, c'est-à-dire sur nos petits, c'est que nous avons en vérité réussi et que la nature a réussi. Voilà, petit texte qui, je l'espère, vous donnera envie d'acheter mon livre qui vient de sortir, Sexe contre énergie, où je parle de tout ça, où j'explique tout le côté biologique de nos comportements, et que ce que nous croyons souvent culturel et réfléchi est en vérité le fruit d'une longue programmation pour que perdure la vie. C'était Fred Delavier, à bientôt. Sexe contre énergie, si vous voulez comprendre le monde, comprendre la vie, pardonnez aux autres et à vous-même. C'était Fred Delavier, à bientôt.